à tous, on se retrouve dans ma salle de bain avec un filtre. Là, vous n'allez plus rien comprendre. Je ne sais même pas si cette vidéo va être montée correctement. C'est juste que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, donc c'était pour vous signifier que non, je n'avais pas disparu de la population. Donc j'ai décidé de faire une petite vidéo un petit peu comme ça, un petit peu spontanée, face téléphone, tout simplement. Bon, avec un effet, pourquoi? Parce que je sors de ma douche. Donc concrètement, ma tête, c'est... voilà. Donc désolée encore une fois pour le cadrage, c'est pas le tip top. De toute façon, je voulais juste vous montrer un petit peu des produits que j'ai achetés et que je vais ou que j'ai testés et dont je vous parlerai très prochainement. Donc du coup, je voulais vous parler de ce produit-là qui était en promotion. Donc c'est les nouveaux masques de Garnier. Donc je vous en parlerai très prochainement, je ne l'ai pas encore testé. J'ai pris celui à la banane parce que honnêtement, l'odeur, oh là là, ça sent le bonbon à la banane. Je peux pas vous dire mieux. Alors, soyez pas perturbés, oui, mon robinet, il fuit, ok? Voilà, comme ça, c'est dit. donc, je vais aussi vous parler de ces deux produits que j'ai achetés sur Adopt, enfin, chez Adopt, plutôt. Il y avait un magasin qui est en liquidation actuellement sur Bordeaux. Donc, j'en ai profité pour tester le liner, je vous en reparlerai, et de ce rouge à lèvres liquide mat. Première fois que je teste un rouge à lèvres liquide mat. Petit teasing, j'adore. Voilà, je vais continuer. Ok, donc du coup cette vidéo, elle n'a pas vraiment de lien, c'est vraiment pour vous tenir un peu informé. Donc du coup, comme vous le savez, j'ai commencé un nouveau travail, donc un rythme un peu compliqué, on va dire. C'est le temps que je trouve un peu mes marques pour arriver à pallier ma vie perso de ma vie pro, c'est un peu compliqué quand même. Surtout qu'il nous arrivait encore pas mal de galères. Sinon, point mariage, bah, écoutez, je crois que je vous en avais pas parlé, mais on a acheté un album de mariage, voilà, juste ici. En fait, c'est un peu comme un album bébé où on met un petit peu notre avancement, des photos, des choses comme ça. Donc c'est hyper cool, on a commencé à le remplir, enfin j'ai commencé à le remplir. Et du coup, pour faire le point mariage avec vous, on a choisi les faire part. On va visiter la salle le 31 mai. Donc ça, c'est hyper cool. Et donc la salle qui fait 13 heures. Et on doit rencontrer un DJ, donc ça commence à avancer. On se marie en juin 2020 en fait. Donc on s'y prend à l'avance et je vous conseille de vous y prendre à l'avance. Parce que vraiment, entre le budget et l'organisation, c'est très 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 long. Petit point d'appart, parce que si vous avez suivi mes aventures, on vient de déménager. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas encore hyper bien organisé. Par contre, je vais vous montrer quelque chose qu'on a commencé à faire. Voilà, j'avais un peu teasé, je vous passe vite parce que vous voyez, il y a encore plein de trucs à changer. Genre ça aussi, on doit le ranger, on a encore tout ça rangé. Donc on a acheté la bibliothèque, c'est la bibliothèque Billy de chez Ikea. Donc elle coûte que dalle, 40 euros, donc c'est pas du tout cher. Donc comme vous voyez, j'ai commencé un peu à ranger. J'ai essayé de mettre du sopalin pour faire des étagères. Mais bon, voilà. Regardez-moi. Non mais s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oula, je vais tomber un truc. Cette merveille. C'est une exclue. Enfin voilà, je pense que je vous ferai une petite présentation top. Un de ces quatre pour être à jour. Hop, ça c'était avec. Ouais, bon, elle est un peu particulière hein, cette vidéo parce que... ça c'est une merveille aussi. Elle est un peu particulière cette vidéo. Donc je disais, elle est un peu particulière cette vidéo. Parce que ça fait vraiment comme si je vous faisais une story en fait. Sauf que je parle pas mal et j'essaye un peu de vous expliquer tout. Et c'est vrai que vu que j'ai pas le temps de monter, pour moi c'est plus simple de faire comme ça pour l'instant, pour pas vous laisser sans nouvelles. Parce que ça fait quand même 2 semaines que j'ai pas publié. Donc je suis vraiment désolée. En tout cas, je souhaite la bienvenue aux nouveaux qui viennent d'arriver. Vous pouvez quand même suivre mes actus sur Facebook. N'hésitez pas à me suivre sur la page Facebook. Même si là, j'avoue que j'ai été absente aussi. Voilà. Bon, en tout cas, c'était une petite vidéo pour vous donner des nouvelles, vous dire que tout va bien. Je reviens avec plusieurs vidéos. Je vais faire mon maximum pour les monter et arriver vite. Bon, du coup, bah, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien un petit peu ce genre de vidéos spontanées quand j'ai pas le temps d'en faire des montées. Je vous fais des bisous. Bon, bah, là, je suis en train de voir pour les vidéos que je viens de vous faire. Sauf que je viens de m'apercevoir que ça a laissé la voix du filtre. Alors, j'espère que ça va pas trop vous énerver. Je suis désolée, vraiment. Bon, je sais, c'est une courte vidéo, vraiment, elle dure 2 minutes. Mais c'est vraiment pour vous faire un point. Aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ben, du coup, on a la voiture qui est réparée. Je sais plus si je vous l'avais dit. Donc voilà, je vous le redis au cas où.